Chers compatriotes, vous avez sous les yeux la lettre électronique qui retrace en fait mon activité pendant cette rentrée parlementaire, avec des points très importants à l'ordre du jour, le processus de paix en Colombie, et je crois que c'est important pour toutes celles et tous ceux qui sont attachés à une résolution pacifique des conflits, et puis la situation dramatique que vit une grande partie de la Caraïbe, et notamment Haïti après le passage de Matthew, qui a provoqué à la fois des dégâts matériels, mais également beaucoup de décès, beaucoup de morts en fait. Je crois aussi qu'il est important que vous ayez connaissance de mon activité parlementaire en tant que telle, avec à la fois l'adoption définitive de la loi République numérique, de la loi Sapin 2 également, sur laquelle je suis intervenu, et puis un compte-rendu de mes déplacements en circonscription. C'est important, c'est l'occasion de vous rencontrer, de permettre en fait un échange, d'être toujours au courant des problématiques auxquelles vous êtes confrontés et des demandes dont vous me faites part. Je voudrais également vous montrer les retours de presse, parce que parfois dans ces déplacements je suis interrogé par la presse locale, et c'est important aussi de pouvoir, quand on est parlementaire des Français de l'étranger, avoir un point de vue sur le continent dans lequel vous résidez. Voilà, ça se lit vite, et en même temps vous pouvez également avoir une lecture plus approfondie en allant sur les liens qui sont indiqués, en allant également sur le site de l'Assemblée nationale ou sur mon site personnel sergio.coronado.fr. J'attends vos remarques, vos suggestions, et je vous donne également rendez-vous lors de mes prochains déplacements avec les permanences parlementaires que je tiens à chaque fois, et également dans des réunions ouvertes que j'organise pour évoquer à la fois l'actualité parlementaire, l'actualité politique, et puis pour échanger tout simplement et faire connaissance si ce n'est déjà pas le cas. À très bientôt.